Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Mais aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque c'est l'anniversaire de Pan 12, le panda des 12 coups de midi. Allez, après moi. Happy birthday to me, happy birthday to me. Bon bah il faut juste penser aussi qu'aujourd'hui, eh bien Mireille Darc, bah, c'était aussi son anniversaire, mais elle n'est plus là. Idem pour Michel Audiard, Arletty, Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Et puis Pierre Curie de campagne. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par l'excellent Jean-Luc Reichmann. Sa chemise n'était pas très bien repassée, je trouve. Il n'y avait pas eu une question hier là-dessus, mon passant. Le maître de midi, oh là là, qu'est-ce qu'il est riche, 504 902 euros, il était venu avec les brunettes. Salut les filles, allez, au coup d'envoi, la première question, Non, aujourd'hui j'ai décidé, comme c'est mon anniv, je vais être gentil, donc je ne vais pas dire de méchanceté. Donc la première question trop dure, qui a dit « je vous ai compris » et non pas « je vous ai pris pour des cons » lors d'un discours devant le peuple d'Alger en 1958. Donc bien sûr, c'était le général de Deux, le général de Gaulle. Ensuite, vous aviez Kylian de Bretagne qui était venu avec Nolwenn et Katel. Enfin, c'est vraiment des prénoms bretons, hein, la sœur et la petite amie de Kylian. Salut tout le monde, Kenavo. Alors, grâce à quelle série le morceau « Meaning » de l'artiste français Cascadeur s'est-il envolé dans les charts mondiaux? Eh bien, grâce à Lupin. Eh oui, Lupin, la baguette, Lupin, bon, passons. Après, vous aviez très sympathique Vincent de Saint-Chamond qui était venu avec toute sa famille et une amie. Alors, selon les scientifiques, combien de temps en moyenne est nécessaire pour perdre une mauvaise habitude? Eh bien, c'était plus d'un an. Après, vous aviez la très mignonne, qu'est-ce que tout mignonne, Virginie, qui était venue avec sa fille et sa maman. Bonjour tout le monde. Alors, quelle activité améliore l'humeur de 90% des Français, diminue le stress chez 64% et en séduit 55%? Eh bien, c'était la danse. Allez, salsa pour tout le monde. Allez, bon, sinon, après, pour le maître de midi, qu'est-ce que le colibri et le sol parmi tous les oiseaux à savoir faire, qu'est-ce que c'était franchement, qu'est-ce qu'il est fort. C'était bien sûr de voler à reculons. Quel objet figurant sur une photo mythique a récemment été identifié comme étant de fabrication française? Donc bien sûr, c'était le béret du Che Guevara. Après, peu de temps avant leur rupture, que fit Aristote Onassis de tous les somptueux bijoux qu'il avait offerts à Maria Callas? Eh bien, il les a offerts à une autre, à Jackie Kennedy. Victime de son succès, quel site naturel français lance une opération démarketing avec eau froide et difficile d'accès? Elle a dit le lac de d'Annecy, et c'était l'autre, c'était les Calanques de Marseille, et Vincent le savait. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris Vincent. Duel qui a une question, bah, je sais pas, qui semblait pas évidente. Quelle invention présentée par Edison en 1868 n'est pas un grand succès à l'époque? Et là, bon, je crois qu'il a dit le phonographe. Et puis à ce moment-là, Bruno a dit, bah moi j'aurais dit la machine à voter, et c'était la machine à voter. Bravo Bruno, bravo. Donc voilà, nous avons perdu les sympathiques Vincent. Donc ensuite, la jolie Virginie, Bruno et Kylian se sont retrouvés au coup par coup. Donc là, je recommence. Donc je vous laisse les questions. Dans quel film peut-on voir Hugh Grant? Donc là, vous pouvez regardez, à votre avis, dans quel film plutôt, bah, vous ne pouvez pas le trouver? Eh bien, c'était dans The Holiday. Donc, sur cette question, Kylian est passé à l'orange. Ensuite, quel terme désigne un cours d'eau? Eh bien, c'était le riz qu'il ne fallait pas dire. Donc, voilà, tout le reste était bon. Donc, sur cette question, il est passé Virginie à l'orange. Et puis ensuite, quel personnage de fiction porte régulièrement un imperméable? Je vous laisse regarder. À votre avis, c'était quoi le mauvais? Eh bien, c'était l'Argo Winch. Et là, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Ensuite, quel nom désigne une race de cheval ou de poney? Je vous laisse regarder. Et la mauvaise réponse, c'était le gascon. Voilà, donc sur cette question, eh bien, le breton Kylian est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Virginie en duel qui est tombée sur une question simple, qui a chanté « Il me dit que je suis belle, mademoiselle chante le blues ». Bien sûr, c'était Patricia Cosse. Donc ensuite, Virginie et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc bon, bah ensuite, eh bien, la pauvre Virginie, elle a beaucoup passé et repassé. Et puis à la fin, le Bruno, eh bien, il a été le plus fort, mais Virginie était plus jolie. Donc, voilà. Je me demande si un jour je ne vais pas faire le résumé des 12 coups de midi, mais bourré. Mais bon, comme je bois pas trop, donc pourquoi pas, un jour, ça sera assez rigolo. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, avec quel fruit le cidre est-il fabriqué? Tiens, justement, je savais, que je me bourre avec, avec du cidre. Donc, bien sûr, c'était avec de la pop-homme. Donc, question. Ah, oh, non, elle était trop facile. Non, c'est pas vrai, elle était très dure, cette question. D'après un sondage récent, quel homme était le plus admiré dans le monde en 2020? Donc, bon, ça semblait assez simple. Hein, donc, c'était Barack Obama. Donc, à cause de cette question, eh bien, il a perdu une étoile et un zéro. Et il empêche un téléspectateur de téléphoner et de gagner de la voiture. C'est la prod qui va pas être contente. Lorsqu'on regarde un film en VO, il s'agit de la version originale, donc bien sûr, où travaille habituellement un docker. Ou qu'est-ce que c'était? Oh, c'était très dur comme question. Donc bien sûr, c'était dans un port.
Et puis, tu as fabriqué la marque. Alors ça, c'était une question. Ça, franchement, je ne savais même pas. Tu as fabriqué la marque Lefèvre Utile. Franchement, je n'y avais pas du tout pensé. Ben voilà, donc il a dit des biscuits, puisque pour lui, c'était lu. Alors là, franchement, bravo à Bruno. Peut-être qu'il le savait déjà, mais moi, je sais pas, j'avais jamais pensé. Je pensais que lu, c'était je sais pas quoi. Donc c'était vraiment. Eh bien voilà, donc bravo au Bruno. Qu'est-ce qu'il est fort, le Bruno. Qu'est-ce qu'il est fort. Il n'a gagné que 1 000 euros, mais il mériterait des milliards tellement il répond bien aux questions. Bon, passons. Après, donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, donc, par rapport à la radio et aux clés de voiture, ben, il est parti sur Chantal là-dessous. Donc, comme je vous ai dit par rapport à mon tableau, peut-être que demain il va nous sortir Sophie Marceau, puisque donc elle est dans le film Les Clés de bagnole, et puis que c'est une star. Donc bon, bah sait-on jamais. Peut-être que ça va être demain ou après-demain, puisque là il reste sur le film Les Clés de bagnole et que Sophie Marceau a joué dans Les Clés de bagnole. Allez, sinon, comme je ne l'ai pas fait au début, donc hier à la télé, ce qui a cartonné, donc bien sûr c'était Koh-Lanta. En deuxième, c'était L'Art du Crime. Et ce soir, vous avez la finale de The Voice, N'oubliez pas les paroles et Cassandre. Donc c'est Cassandre qui va gagner. The Voice sera second, et puis N'oubliez pas les paroles en troisième position. Et puis le t-shirt du jour, comme c'est mon anniv, le t-shirt Be Cool. Voilà, donc avec le panda qui fait dodo, qui est très cool. Donc voilà, tout ça sur le site tropmignon.com. Et puis sinon, 507 402 euros pour le maître de midi. Bravo, qu'est-ce qu'il est fort le Bruno. Et puis sinon, moi je vous donne rendez-vous aux autres, pour les autres, pour mon résumé avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors comme aujourd'hui c'est mon anniv, je vais très gentil avec tout le monde. Donc Jean-Luc Reichmann était super sympathique. C'est vrai, en plus il a souhaité un bon anniversaire à toutes les personnes qui regardaient l'émission. Bon, il n'a pas parlé de moi, mais bon. Mais au moins, il a souhaité bon anniversaire à tout le monde. Le maître de midi, toujours aussi sympathique et souriant, sa première question, qui a dit « Je vous ai compris » lors d'un discours devant le peuple d'Alger. Donc, comme aujourd'hui c'est mon anniv, je ne vais pas dire qu'il a eu des questions dures, faciles. Hein. Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dit. Bon, peut-être le général de Gaulle, donc bien sûr. Après, vous aviez le sympathique Kylian. Tiens, j'ai appris que le papa de Kylian, c'était son anniv aussi. Donc, bon anniversaire à Thierry, si Kylian regarde cette vidéo. Alors, la question, grâce à quelle série le morceau Meaning de l'artiste français Cascadeur s'est-il envolé dans les charts mondiaux? Donc, c'est grâce à la série Lupin. Après, vous aviez le sympathique Vincent de la Loire, de Saint-Chamond. Un petit bisou à Brigitte, de je sais plus comment elle habite. Bon, passons. Donc, selon les scientifiques, combien de temps en moyenne est nécessaire pour perdre une mauvaise habitude? Eh bien, c'était 66 jours. Après, vous aviez la trop de mignonne Virginie qui était venue avec sa fille et sa maman. Donc sa question, quelle activité améliore l'humeur des 90% des Français, diminue le stress chez 64 et en séduit 55? Eh bien c'était la danse. Alors il paraît que c'est vrai que on peut plus aller danser, mais on peut toujours danser à la maison devant son miroir. Qu'est-ce que le colibri est le seul parmi tous les oiseaux à savoir faire? Donc ça c'était une question pour Bruno. C'était de voler à reculons. Qu'est-ce qu'il est fort. Quel objet figurant sur une photo mythique a récemment été identifié comme étant de fabrication française? Donc le béret de chez Guevara. Après, peu de temps avant leur rupture, que fit Aristote Onassis de tous les somptueux bijoux qu'il avait offert à Maria Callas? Vincent a dit qu'il les a jetés à la mer, et pas du tout, il les a offerts à Jackie Kennedy, pardon. Donc à cause de cette question, il est passé encore à l'orange. Et puis après, pour la jolie Virginie, victime de son succès, quel site naturel français lance une opération démarketing avec eau froide et difficile d'accès? Elle a dit le lac d'Annecy, et c'était les Calanques de Marseille. Donc sur cette question, Virginie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le sympathique Vincent en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. Quelle invention présentée par Edison en 1868 n'eut pas un grand succès à l'époque? Donc vous aviez le phonographe, le néon, une machine à voter, une ampoule électrique. Il a dit le phonographe, et c'était la machine à voter, et Bruno nous l'avait dit. Donc bravo à Bruno. Ensuite, Virginie, Bruno et Kylian se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Kylian qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Virginie en duel, qui est tombée sur une question très simple. Qui a chanté Il me dit que je suis belle et Mademoiselle chante le blues? Donc bien sûr, ça ne pouvait pas être Ophélie Winter, ni Chantal Goya, ni Mylène Farmer. Donc bien sûr, c'était Patricia Cass. Donc ensuite, Virginie et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis
qui est bah, la pauvre Virginie. Elle avait un très joli sourire, mais bon, le Bruno a été le plus fort. Donc bravo à Bruno par rapport au coup de maître. Avec quel fruit le cidre est-il fabriqué? Ouh, qu'est-ce qu'on... Bah, c'était avec la pomme. Donc bravo. D'après un sondage récent, quel homme était le plus admiré dans le monde en 2020? Vous aviez Bill Gates, Barack Obama ou l'autre, c'était Dalai Lama. Donc bah, c'était Barack Obama, ça semblait simple, mais bon. Et puis ensuite, lorsqu'on regarde un film en VO, donc il s'agit de la version originale, où travaille habituellement un docker, donc une gare, un aéroport ou un port, donc bien sûr c'était un port. Que fabriquait la marque Lefèvre Utile? Alors ça je savais pas du tout, parce que je m'étais jamais posé la question, et ben voilà, c'était Lu. C'est vrai, bon, pour moi Lu c'était une marque comme ça, tout bête, mais je savais pas que c'était voilà Lefèvre Utile. Donc bravo à Bruno qu'il le savait. Donc il a quand même gagné 1000 euros à partager. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, donc là aujourd'hui il nous est sorti donc Chantal là-dessous. Et puis bah comme vous avez donc le casting du film Les Clés de Bagnole. Donc bon, ce film Marceau est en dernière, mais comme c'est une star. Peut-être que demain ou après-demain, eh bien, Bruno va nous sortir Sophie Marceau, sait-on jamais. Donc, voilà. Sinon, bah, c'est tout. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.